Salut à tous, bonjour, hi, allô. Alors, on va étudier une méthode de création de mélodie. Alors, j'ai un cas ici, donc je suis sur la tonalité de La majeur. J'ai une petite chanson qui va comme ça, que vous connaissez peut-être. Ce qui est intéressant ici, c'est que on peut jouer cette chanson avec deux accords. On peut jouer avec trois accords. Avec quatre accords. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on traîne un peu longtemps sur le premier degré. Donc, je suis sur la tonalité de la majeure. Mon premier degré, c'est la majeure. Alors, dans le cas de quatre accords, donc je vais jouer le la majeur, le premier degré, et je joue le sixième degré mineur. Je joue le deuxième degré qui est un mineur, et puis je termine sur le cinquième degré voilà, qui est un majeur. Je suis le premier degré, sixième degré, deuxième degré, puis le cinquième. Alors je traîne quand même longtemps sur le premier degré. Je joue Alors ici le principe, comme je disais, c'est enlever cette monotonie, créer une petite mélodie ici. Alors pour créer la mélodie, on a besoin des deux outils. Le premier outil, c'est la gamme majeure. Bon, je vais utiliser ces notes. Trois notes ici, deux ici, trois ici. Ce sont des notes que je vais utiliser. Maintenant, je peux combiner deux, trois notes, mettre trois notes ensemble, quatre ensemble, cinq ensemble, créer des licks. Mais ce qui est important, c'est la terminaison. Dans ce cas ici, il serait mieux de terminer votre phrase avec une note, avec une note de l'accord, hein, l'accord de la et la. Une note de l'accord, ça pourrait être le premier degré. Parce qu'un accord à trois notes, c'est ça l'accord. Premier, troisième, cinquième, premier. Bon, vous terminez avec la note tonique, premier degré. Vous terminez votre phrase avec troisième, la note tierce. Vous pouvez terminer avec la note quinte, la cinquième, ou la note tonique, le premier degré. C'est rare de terminer avec l'accord ici. On va voir avec le tierce. Terminer avec le tierce. Donc, on peut aussi faire, ça c'est quatre notes, 1, 2, 3, 4, on peut aussi aller un peu plus rapidement, 1, 2, 3, 4, 5 notes. Donc,
Donc, tierce, ça sonne bien. On peut terminer sur la quinte. C'est ça. Alors, je joue ça. Oui. Donc, après, je vais mettre ça. C'est ça. Ça, je termine sur la quinte. Ça, je termine sur la tierce. C'est tout pour aujourd'hui et prochainement on va voir comment décomposer aussi le sixième, le deuxième degré et aussi peut-être le cinquième. Mais pour le moment on peut aussi jouer uniquement avec la mélodie sur le premier degré, uniquement.